Certains enseignants estiment que les enfants se sentent plus en sécurité pour réaliser une tâche commune lorsqu'ils sont amis. D'autres, au contraire, considèrent que laisser des amis travailler ensemble est synonyme de bavardage et de dispersion. Mais quel rôle joue véritablement l'amitié dans les apprentissages? Deux chercheuses en psychologie du développement étudient cette question. À Toulouse, Christine Sorsana a montré que les enfants résolvent mieux une tâche ensemble lorsqu'ils sont amis. De son côté à Reims, Leïla Bensala a observé qu'il y avait plus de moments d'échange et de partage quand un enfant devait enseigner une tâche à un ami. Dans une école du centre de Reims, Leïla Bensala propose à des élèves de CM1 d'apprendre à un camarade de leur classe à réaliser un puzzle. Les enfants se comportent différemment selon qu'ils enseignent cette tâche à un ami ou à un enfant avec lequel ils n'ont pas d'affinité particulière. L'école, c'est un système dans lequel il y a une contrainte parce qu'on a des rôles. Et mettre des amis ensemble dans ces situations particulières de transmission, eh bien, ça permettrait aux enfants de vivre cette situation de manière moins contraignante. Leïla Bensala fait remplir un questionnaire aux élèves pour savoir qui est ami avec qui. Elle pourra ainsi comparer les comportements des duos d'enfants amis et non-amis dans cette situation de tutelle. Leïla Bensala propose l'exercice du puzzle à deux petites filles amies, Emma et Aileen. Tu vois qu'Aileen n'y arrive pas tout d'accord ? C'est bon ? Tu peux défaire le puzzle ? La plupart du temps, il y a une coordination et une fluidité qui apparaît très, très tôt au moment de l'observation et qui perdure jusqu'à la fin. Entre amis, on se comprend à demi-mot. Un simple regard ou un mouvement de tête suffisent. Dans une tâche comme celle-ci, celle que vous venez de faire, est-ce que le fait d'être amis, ça change quelque chose? Oui, un peu, parce que quand on n'est pas amis, on ne connaît pas beaucoup de choses sur elle, tout ça. Mm-hmm. Et est-ce qu'on sait mieux aider l'autre? Oui, on sait un peu mieux aider l'autre, parce qu'on sait ce qu'elle connaît, tout ça. Voilà, on la connaît mieux. Oui, parce qu'elle nous parle d'elle pour mieux se connaître et devenir amis. D'accord. Et ça vous arrivait déjà d'être dans une situation comme celle-là où il y en a une qui sait et qui enseigne à l'autre qui ne sait pas? Un peu. Pas forcément un puzzle, mais autre chose. Oui. Des fois, mais il n'y a que quelques fois, quand on est vraiment très en retard, tout ça, et ben, on se donne juste une réponse. Bah oui, bien sûr. Parce que le travail à faire, c'est du travail à faire tout seul. Oui, mais quand on est en retard, on peut aussi passer notre écrit à le faire, tout ça. Ah oui. Mais on lui donne qu'une réponse, comme ça. C'est une petite aide. Oui. D'accord. Suite de l'expérience, Emma va maintenant être le tuteur de Maëwen, qu'elle connaît peu. Emma sait très bien le faire, elle va t'aider à le faire, et si tu n'y arrives pas, tu peux lui demander de l'aide. D'accord? Donc voilà, ça c'est le puzzle qui est achevé, maintenant je vais le défaire et tu vas essayer de le refaire. D'accord? Donc là, on a un autre modèle. Hein. On n'a pas du tout un modèle « je connais l'autre, c'est mon ami, je ne le regarde pas, je fais, je lui dis simplement, c'est simple ». Là, c'est plus complexe. Il y en a une autre qui est pareille, c'est peut-être celle-là. Elles ont plus de mal à se coordonner. Emma guette les expressions du visage de Maëwen. Elle l'observe pour essayer de la comprendre, de s'ajuster à elle et de l'aider le mieux possible. Quand les enfants ne sont pas amis ou se connaissent peu, la relation reste une relation de tutelle. Alors qu'Emma et Aileen naviguent entre transmettre et faire à deux, indépendamment de la consigne, car elles sont habituées à agir ensemble. C'est plus ludique et moins stressant. L'avantage chez les amis, c'est qu'en fait, ils se retrouvent, d'accord, dans une situation différente, une autre situation, mais ils se retrouvent tous les deux.
Ils réveillent leurs relations intimes, leurs souvenirs, les expériences communes. Et c'est une rencontre encore différente, mais comme si elle était renouvelée. Il y a une forme d'attachement entre les amis qui est finalement à la base de cette attente qu'ils ont l'un envers l'autre. Et le tutorat continue, même dans la cour. Jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, pas d'animal, intérêt et principal. Mais la famille n'est pas prête. C'est là son moindre défaut. Dans la classe de CE1 d'Isabelle Marty à Fontenay-sous-Bois, la complicité est déjà bien installée. Elle a les mêmes élèves depuis le CP. Ce que j'aimerais savoir, c'est si vous vous êtes mis d'accord sur personnage, bonhomme ou animal. Vous vous souvenez de la princesse au petit pois? Il y avait plein d'idées quand même. Hein. Ouais, regarde déjà là. Tout de suite. Hein, les enfants doivent réaliser à deux un personnage à partir d'un objet de la vie quotidienne. L'institutrice leur a laissé le choix du partenaire. Et à chaque table, les amis se sont spontanément réunis. Ce que je pense, c'est que c'est plutôt... C'est pas tellement de la collaboration, mais c'est peut-être plutôt que les enfants sont davantage en confiance. Ils sont rassurés parce qu'il y a le copain à côté. Ils se sentent mieux et le vivent mieux, du coup. La chercheuse Christine Sorsana a été invitée dans la classe. Dans un premier temps, elle observe les enfants travailler en équipe. D'accord. Et c'est une idée de qui? De tous les deux? C'est moi. C'est ton idée? Toi, tu étais d'accord? Quelle est l'expression que vous avez choisi de donner? Comment? Il est amoureux. Elle est amoureuse, ça? Donc les enfants amis, lorsqu'ils travaillent ensemble, sont plus coopératifs. Ils le discutent plus. Si on mettait le trait de la bouche. Quand il y a des désaccords, ils sont plus attentifs à l'avis du partenaire. Ils sont plus exigeants aussi. Donc, quand il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils demandent à ce que ce soit éclairci. Et ce type de conduite, on l'observe dans une ambiance de plaisir partagé. Ça rit, ça sourit. Et voilà. Mais dans la réalisation d'une tâche, les enfants sont-ils plus efficaces pour autant lorsqu'ils sont amis? Démonstration avec la tour de Hanoï. Première règle, vous ne devez déplacer qu'un seul disque à la fois. Deuxième règle, vous ne devez pas poser un grand disque sur un disque plus petit que lui. Mais le but, c'est d'essayer de reconstruire la tour pareil en un minimum de déplacement, c'est-à-dire de reconstruire la tour à trois disques ici en 7 déplacements lorsqu'il y a 3 disques. Les enfants s'entraînent un par un sur la petite tour à 3 disques pour se familiariser avec le jeu, avant de se retrouver à deux sur la grande tour à 4 disques. Et lorsqu'on ajoute un 4e disque, il faut réussir à reconstruire la tour en 15 déplacements. Colin et Camille ont le comportement typique des amis. Ils sont bien coordonnés, ils agissent et réfléchissent ensemble. Les enfants qui sont amis quand ils travaillent ensemble discutent à des moments clés de la tâche. Pour la chercheuse, dans cette tâche qui demande de planifier et d'anticiper une action, les amis sont plus efficaces. J'ai réussi à montrer que les enfants qui s'apprécient restent efficaces, alors que les enfants qui ne s'apprécient pas
se démobilisent. Et donc leur performance chute. Mais pourquoi l'amitié est-elle un véritable atout lorsque l'on doit résoudre un problème ? Les enfants qui sont amis se connaissent, s'apprécient. Et donc les enfants sont directement centrés sur la tâche. Ils n'ont pas à négocier qui fait quoi dans ce type de situation de travail. Alors c'est très bien les garçons. Vous avez reconstruit la tour en 16 coups. Les enfants qui n'ont pas d'affinité entre eux, quand ils sont dans une situation de travail, ils sont plus préoccupés par les enjeux de la relation que par la tâche à réaliser. Dans le sport aussi, réconfort rime avec effort. Les enfants de la classe de CE1 d'Isabelle Marty se préparent pour une course d'endurance. Oui, ils sont courageux. Oui. Moi, je vais courir avec mes copines. Bah, en fait, je suis mieux avec mes copines. Je suis plus à l'aise quand je cours. Je vais essayer d'aller au bout quand même. Il y a toujours des groupes qui restent soudés, hein, ils avancent exactement au même rythme, mais sinon les petits groupes bien soudés sont toujours les mêmes. Voilà, au bout de 15 minutes de course quand même. Il bon, faut juste espérer qu'ils vont arrêter à 30 minutes. Hein. 28. Allez, plus de 2 minutes, il ne doit pas en rester beaucoup quand même. Là, à mon avis, il n'y a plus que des enfants qui courent un peu tout seuls, là, je pense, non ? Ah, ben non, au contraire, ils sont tous groupés. Ah ! Bravo, les garçons ! Ah, ben... Et ça donne de la force de courir ensemble, tu crois ? Oui, ça donne beaucoup de force. 30 minutes ! Ouais, 30 minutes ! Entre amis, on se soutient, on se donne du courage et on réussit mieux quand on travaille ensemble, comme dans le sport.